Bonsoir. Dark Souls. Alors, salut Fury, salut Rist, salut Néo. Donc, hier j'ai pas pu streamer. Avant-hier, on avait détruit Nito. Brillamment, hein, on n'a pas du tout galéré. On a décidé qu'on allait changer de tenue parce que pourquoi pas. Et donc, bah voilà quoi. Il faut aller à la suite. Attendez. Il faut aller à la suite. J'essaie de... Non. Qu'est-ce que j'ai fait par contre? C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. la suite. Salut Romain. La suite. Donc moi je pensais que la suite ça allait être dans la nouvelle Londo. Voilà. Mais je viens de voir un truc là. Et salut Kuran. Alors attendez. C'est quoi ça? C'est où ça? C'est quoi ce TP là? Elle a disparu la statue, on est d'accord? C'est parce que j'ai mis ça? Quelle statue? Il y a une statue là, je me suis TP, je me suis retourné et la statue elle a disparu. Vous moquez pas de moi hein, parce que c'était le sanctuaire de la lune noire. Putain. Je l'ai où cet anneau déjà au... Au catacombe hein. Je l'ai au catacombe. Alors attendez on... It shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the dark sun, cast aside thine ire. Hear the voice of mine self, Gwyndolin, and kneel before me. Je peux faire ça, moi? Parce que... Oh, allez, vas-y. O disciple of the dark sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then alors, je crois qu'il y a un problème. Safeguarding thy person with the power of the dark moon. J'en ai. Bah non. Shall not need speech. Exit here and follow thine own design. Guinevere, c'est la madame. Rien à foutre, moi. What foolishness. Oh. Je crois que j'ai fait une bêtise. Why trespasseth upon the great lord's tomb, whilst thou art a disciple of the dark sun? Mark the words of mine self, Gwyndolin. Thou shalt not go unpunished. Oula. J'ai fait une connerie, je crois.
Oh, ça sent le truc à la Mario 64 là. Oh punaise. Oh, oh elle m'a défoncé. Elle m'a défoncé. Ah bah attendez, je vais casser sa gueule du coup. Je crois que pour prêter serment, c'est baiser. Oh, ça se trouve, je pourrais... Si ça se trouve, je pourrais... absoudre mes péchés. Peut-être. Ah ouais, mais pas... D'accord. Tu triches un peu quand même. Ah, ça passe à travers la mur. Bah oui. Ah, je sens que je vais pas... Je sens que je vais pas comprendre ce combat et que ça va m'énerver. Laissez-moi m'approcher. Ah merde, mais quel con, mais quel con. Ah je sais pas si... Il y a une autre strat. Il doit y avoir un truc à faire. Oula. Que fais-tu PC? Bah non, le temps que je vise, je lui ferai 3 PV. Non, mais attends, je vais casser sa gueule, hein. J'y arriverai. Petit Kamehameha, hein. Qu'est-ce qui c'est? Ah, j'ai... pas eu le temps de switch là, ok. YOLO. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez halluciner. Voilà, vous hallucinez, hein. Oh non. J'ai pas mon bouclier. Oh, heretic, swathed in dark, an eternal curse upon thee. J'ai l'impression d'avoir fait une grosse connerie en fait. Mais c'est pas grave, hein. Ce serait pas la première. Ah, je crois qu'on peut aller à la fin, par contre. Je crois que ce couloir a une fin. Peut-être que... Mais c'est pas grave, je vais m'absoudre de mes péchés. Et c'est bon.
Ah, la lame solaire. Ah, j'ai... Ouais, j'ai une armure en laiton. Mais pourquoi Pourquoi ça marche pas, ça? Bon, bah écoutez, hein. C'est pas grave, on l'a tué. Au moins, elle sera morte. Je joue force. Ouais. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, j'aurais cassé la gueule du boss. J'aurais eu les trophées. J'ai eu le trophée du serment que j'ai trouvé. Et j'ai le trophée du cassage de gueule du boss. Moi, ça me va. Ok. Non. Je me suis trompé. D'accord, alors. Alors. Est-ce qu'elle va m'en vouloir, la madame, du coup? Est-ce qu'elle va vouloir me casser la gueule? Ouais, elle a dit c'était sa fille, hein. Ok, bah écoutez, on a fait ça, bah on va retourner à l'icheveux. Alors, question. Alors non. Attendez. Il doit me manquer un forgeron. Il doit me manquer un forgeron. D'ailleurs, en parlant de forgeron, attendez. Je vais juste vérifier un truc. Check un truc. Ouais, je pense qu'il me manque. Ouais, bah oui, Néo, je pense qu'il me manque un forgeron parce qu'il n'y en a aucun qui a voulu me prendre ces braises là. Quoique la braise de cristal, je suis pas retourné voir le géant, mais à mon avis. D'accord, on s'en fout. Ok. Il m'a dit très gentiment d'aller me faire voir. Alors. C'est ça. Je suis plus un ninja Dark Sasuke, maintenant je suis. Je suis à. Je sais pas. Un Nazgul. Alors attendez, parce que par contre, pour aller là-bas. Il va me falloir des trucs comme ça. Mais j'en ai pas beaucoup.
Est-ce que le marchand là, il m'en vend? Et oui, donc salut, salut. Ça va être chiant sinon hein. Oh bah je suis tout le monde moi hein. Vous savez hein, moi je peux taper, je tape hein. Je sais pas en fait. Ah. Bon, vu que je vais probablement de toute façon mourir. Bon, c'est pas... bon allez, on va tester donc la zone là qui a l'air un peu relou. Bof, je suis déjà mort. Mort. En vérité, les verrues, elles peuvent pas me... Elles peuvent pas vivre sur moi. Y a rien. Oh, I'm sorry. Sometime. Là, lui, il me dit rien. Il y a lui qui me dit rien, il y a le mec qui est parti on sait pas où, qui... Tout le monde est mort à l'Ichefeu. Je pense que... Je pense que j'aurais peut-être pu sauver des gens. Un peu plus. C'est pas un PNJ, c'était un boss. Il avait une barre de PV avec un nom de boss. Ce n'était pas un PNJ. Vous êtes médisant. Donc la dernière fois on avait fait backdash direct parce que on ne pouvait pas taper les ennemis. En fait le problème c'est que avant lui là. Le problème c'est que je sais pas combien de temps ça dure là, le truc qui me permet de taper les fantômes. Et puis ça dit quand même que c'est une malédiction. Donc qu'est-ce que ça... Ça va être chiant. Ça va m'agacer, je le sens. Je peux pas les taper ces trucs là hein. Je suppose qu'en plus il doit y avoir
des armes enchantées pour taper les fantômes, mais forcément, je n'ai pas le matos nécessaire. Voilà. On va juste tester, hein. Ah mais ça me laisse pas le temps de les prendre. Bon bah tant pis. Ça va ouais, Fury. Tant pis, ils m'ont pas laissé le temps de consommer l'item. Ouais, si ça va, je prends pas de dégâts. Bon bah c'est pas grave, je vais consommer, on verra. On verra bien. Y a quoi ici? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ah. Ah bah ouais, forge, vas-y. Forge des trucs. Ouais, fais ça. Ah mais j'ai pas... Mais attends, parce que... Là bien. There's nothing to talk about. We're both cursed, undead. But what's there really to moan about? Come back soon. Smithing help don't let me with. Hey, hang on, is that? Ah, voilà, j'allais dire. Bah c'est pas dit que même en lui donnant les brèches je puisse forger des trucs, mais au moins... Au moins je lui aurais donné quoi. C'est ça. Ah là. Au bout du donc. Un vieux forgeron de province. Ben voyons. Alors soit j'ai raté encore un autre forgeron, soit faudrait peut-être que je retourne parler au géant, ou peut-être au squelette aussi, parce que le squelette je vais pas reparler je crois, je sais plus. Bon bref. Ok. Bah c'est pas grave, de toute façon c'est pas pour ça qu'on est là pour l'instant. Pour l'instant. On est là pour visiter.
Et donc la question est, combien de temps puis-je utiliser ceci ? Là, il y aurait un raccourci, je pense. Ah, zut! Ah, foutez-moi la paix! Waouh! D'accord, à travers le mur. Une dague de parade. C'est rigolo ça. C'est vraiment. Ça fait vraiment ce que ça dit que ça fait. Faudrait que j'essaye, mais là j'ai pas le temps. Ah! Du calme, hein! Le couteau à beurre de parade. La casserole de parade. Ah, il y a un coffre. Mais je ne sais pas où aller. Est-ce que c'est le pénitent le passe ou. Je sais pas si j'ai pied là. J'arrive pas à voir. La poêle de parade, c'est PUBG. C'est pas faux. Non, je crois que j'ai pas pied. J'ai pas pied. Pardon. Ouais, bon, écoutez, hein. Mickey Parade, c'est vrai. Oula, ça c'est un item important, c'est jaune. Si c'est jaune, c'est important. C'est en dessous? J'attaque par en dessous. Putain, il fait peur cette zone. J'ai vu comment ce truc jaune, faut que je fasse tout le tour. Ah, il y a un truc là. J'ai peur cette zone, j'aime pas trop. J'aime pas avoir peur. Ah bah ouais, t'as raison Fury, je suis con. Elle m'a l'air très très utile cette échelle quand même, hein.
Ok. Alors, il y a quoi ici? Ah, parle pas de malheur. Parle pas de malheur, Fury. Ah, je peux plus taper les fantômes. Je passe attention. Un fantôme de Titanic? Non, non plus. Je... Non. Une malédiction fougasse. Waouh. C'est putain. Mais attendez, elle sert vraiment à rien cette échelle en vrai ou... Comment ça se passe là? Putain, ça m'énerve. J'ai raté un truc, je le sais. Mais j'arrive vraiment pas à voir quoi. C'est pas grave. Salut Pixel Boy. Je pourrais sauter, hein. Je pourrais voir. Hein. Oh, oh bah, oh bah, ah bah oui. Ah bah oui, bah allez-y. Mais vous me tapez pas là, vous avez pas la portée. Je pourrais sauter pour test, mais j'en ai marre de mourir comme un con. En fait. C'est ça le truc aussi. Ouais, d'accord, j'ai compris le principe. Je vais encore mourir comme un con, du coup. Ok. Trouve le feu. Bah ça se trouve je suis passé 4 fois devant le feu. Hein. Y'a un loot dans le mur. Y'a un putain de loot dans le mur. Putain ça m'énerve. Je suis peut-être passé 4 fois devant le feu déjà. Aïe, bon là je l'ai cherché. Avec les fantômes ils passent à travers le mur, je veux bien, mais que mon loot il soit dans le mur, ça me saoule. Ça me saoule, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. En plus, la zone elle a l'air labyrinthique. Tout ce que j'aime. Il y en a partout. Il y en a partout. Partout. Je vois hein, les trucs où je vois à peu près où passer, je les prends, mais sinon je vais pas trop me casser la tête. Donc là, il y a mon loot dans le mur. Ouais bon .
Voilà. Ah bah. Qui êtes-vous? Well, this is a surprise. I get few visitors. Save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void. The abyss, but the abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the abyss. Ouais, j'ai le. Ok, non, ça c'est bon, j'ai ce qu'il faut. And learn from him. The abyss may prove surmountable. Ça j'ai ce qu'il faut. Hello there, the key to. J'ai ce qu'il faut. What? Ah putain! Il les vend à 1000! Ah la vache! Bah attendez, je vais en acheter plein. On sait jamais. Hein? Par contre, non, je veux pas que tu dissipes ma malédiction, je vais très bien. Alors j'ai des clés. Bah j'ai bien fait de faire. Voilà. Donc j'ai la clé. Mais j'ai pas trouvé la porte. Mais j'ai déjà un élément sur deux, donc c'est cool. Donc ça craque sous les pieds quand même, hein. Ah oui, c'est-à-dire que j'ai été tellement frustré par mon. Par mon loot dans le mur que j'en ai pas exploré tout le truc en fait. D'accord. J'ai fait le saut. Machin. Alors attendez. Ouvrir les vannes, je ne sais pas pourquoi. C'est comme le temple de l'eau, ça fera monter le niveau de l'eau. Merde. Ah, mais il se cache. Ok. Il se cache. Bon, alors. Donc on avait dit les habits, j'ai ce qu'il faut. Là, j'ai fouillé. Je suis pas allé là, je crois. Ah putain, mais. Tu es où, toi? Tu es au-dessus? C'est ça, ouvrir les vannes, vite! Appelez Cap Silver. Je me suis trompé, je voulais courir puis sauter et j'ai appuyé juste une fois sur le bouton B. Ce qui a fait une roulade. Ouais, remaster Pixel Boy sur la version PC.
Salut petite pelle. La faute à la manette, putain. Ah, j'aurais dû me TP à... Non, c'est bon. Bah, apparemment, c'est 60 FPS. Enfin, c'est, apparemment, non. C'est totalement 60 FPS. Il y a, je sais plus qui me disait que ça lui faisait tout bizarre, justement. Qu'il avait du mal à reconnaître le jeu en voyant mon stream. Mais bon, je sais pas, hein. C'était super troufique, je crois. Mais moi, bah, j'ai pas fait le... Je le découvre, donc... fluide, pas fluide, je ne sais pas. Du coup, je peux aller où, là ? Je peux aller à des trucs du coup là. Ah là je peux pas. Là est-ce que je puise? Ouh là là. Oh mais oui, là c'est... Oh là 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 là. Oh là là. Oh bah on sait ce qu'on va faire quand on va mourir hein. Salut Night Love. GG pour le raffle. Et salut Caps. Oui, vas-y. Putain, c'est super frustrant. Tu veux changer juste le point de vue de ta cam, mais en fait, ça te fait switch d'ennemi sur ton lock. Alors attendez. T'as tué le premier boss de Bloodborne? Mais t'avais pas déjà commencé Bloodborne? Puis t'as choisi qui? T'as trouvé qui en premier boss aussi? Parce que... D'accord. La bête cléricale. Ouais, bah GG. GG, mais il me semblait que t'avais déjà commencé Bloodborne, moi.
Ah ouais, d'accord, j'en avais acheté dans le doute, mais en fait je crois que... Oh! Cool. Je sais pas si c'est bien, mais c'est une arme. Oui, oui, Night Love, il t'a fallu trop. Là, on peut plus rien pour toi, Pelou. D'accord. Donc c'est là que je voulais retourner tout à l'heure et puis alors en haut ou en bas? Je pense qu'en bas. En bas c'est là qu'il faut aller je pense. Donc on va monter. Vous savez quoi? On en a tellement. En préventif. Non mais moi je sais pas quoi faire là, on me dit ah c'est pas mis dans le titre qu'il faut pas spoiler, ça spoil du coup, je mets dans le titre qu'il faut pas spoiler, ça spoil. Ah j'en peux plus de ce... Putain, j'en peux plus. Bon cela dit c'est vrai que j'aurais pu lire la description de l'objet mais... Ah là là là, de toute façon je m'en fous en fait, c'est vachement mieux avec mon arme hein, honnêtement. Bim. Clé du seau mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors. Ça ouvre la porte dans la vallée des Drakes. Putain ça ouvre la porte dans la vallée des Drakes. Donc maintenant j'ai quoi? J'ai plusieurs solutions. Petite pelle. Bah, ils sont. Les boss de Bloodborne Dark Souls, c'est jamais gratuit hein, en vrai. Même ceux qui sont gratuits, je trouve qu'ils sont pas gratuits. Donc là j'ai plusieurs solutions, c'est ça. Soit je... meurs. Soit je décède. C'est ça hein. Ou déjà ça vend du rêve hein. Ça vend vachement du rêve. Donc t'es qui toi? Qui êtes-vous comme voulez-vous? Putain il a un bouclier dimensionnel le mec. Carrément. Je vais éviter de taper dedans parce que je sens que ça va mal se passer. Donc j'arrive à la vallée des Drakes. Ok, ça marche. Ah, est-ce qu'il va encore y avoir des fantômes? Je suis sûr que oui. C'est obligé. À moins qu'on ait tiré la chasse tellement fort que même les fantômes, ils y ont pas survécu.
tu vas bien te calmer toi. Putain, on dirait Skeletor. Oh non, pas trop. Éclat de titanite, très bien. Que je trépasse. Le mec de Destiny. En fait, on dirait un chevalier squelette. Oula. Ça sent pas l'accueil chaleureux et cordial, hein. Ah, on trépasse là? On va trépasser. Ah, qu'est-ce que c'est que ce putain de gros tas de... Merci monsieur. C'est marrant parce que... Tu sais, tu finis les catacombes, tu te dis c'est bon, ça peut pas être pire. Et puis bah en fait... Si. Si si. C'est-à-dire que le jeu, il te dit si si, je peux toujours être pire. Toi, je t'ai vu hein. Tu crois que tu vas faire quoi là? Oh. Petit coup brise-garde. Parade pile dans les... Je le sentais pas ça. Ils sont pas cons hein. Ils voient que je fais une grosse attaque. Il garde le bouclier. Pas con le mec. D'accord, mais il n'y a pas le jeu. Bah tu vois, je pensais pas. Je me souvenais mal. Ok, donc là j'ai fait un raccourci là. Je pourrais retourner Non. Je suis un grand. Je suis un grand, moi j'y retourne pas. Mais ça pue tellement l'arnaque ici. Ouais, ça sent pas bon, hein. Putain. Je sais pas si c'est les cadavres ou les inondations qui ont tout moisi. Ah bah voilà comment on peut aller au coffre. Ah, une très grande braise.
très grande braise. Ah, merci. Oh, alors ça c'est André ça. Ah, on peut aller jusqu'à plus 15. Vache. Très bien. Non, alors attendez. Je sais plus. Vous pensez qu'il y a eu, comment on dit, qu'il y a eu intimidation indirecte d'arbitre? Oh mais merde, il me tournait le dos. Joli combo. Ça c'était con. Ah, attendez, je venais de là moi. Faut que j'aille là. Olé. Mais il n'y a pas un moment où par contre attendez, parce que ça parlait machin les abysses là, il n'y a pas un moment où je vais me faire niquer par contre alors attendez, c'était quoi ça là? Ah si. Si, je l'ai buté. Je l'ai buté. Mais pas en stream. Est-ce que tu veux vraiment que je te dise comment j'ai fait? Ça pue l'abysse. Parce que quand tu vas... Parce que si je te le dis, tu vas t'en vouloir en fait. Tu vas t'en vouloir fortement. Bah, je te dirais juste, regarde la neige. Ah, t'as vu? Bah après après faut taper quoi. Faut... Alors moi ce que je faisais c'est du coup, mais alors je sais pas trop comment expliquer, mais bah tes pieds ils ont un devant un derrière, donc j'essayais toujours de me coller plus ou moins derrière. Après je sais pas trop comment j'ai fait hein, mais j'ai tapé dessus, puis elle a fini par après elle est plus invisible.
Non, non, petite pelle. Non, 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 non. J'ai jamais dit. Mais j'ai pas dit que t'avais tué un boss ou quoi que ce soit. J'ai juste dit que tu nous disais que tu... Merde, je suis revenu totalement derrière. Tu nous disais que tu jouais à Bloodborne et que tu trouvais ça sympa. Mais il y a longtemps, hein. Il y a super longtemps. Mais j'ai jamais eu la prétention de dire que tu l'avais fini, hein. Je savais bien. Je me doutais bien que tu l'avais pas fini. Donc tu joues à peine 2 heures à tes jeux. Alors attendez, donc là j'y suis allé. C'est pas clair. Je me perds beaucoup. Ah, voilà. Ah. Alors attendez, parce que là on va avoir un problème. Ça, ça a l'air fort, ça. Berk. Et qu'est-ce que c'est que ce truc rouge derrière, là? Ah, c'est les crânes qui explosent au contact. Enfin, pas au contact. Ce serait beaucoup trop fourbe. C'est pas le genre du jeu. Putain, j'ai failli pas le voir, ce coffre. Merde, j'ai tapé le mur là. J'ai pas tapé le coffre. Tu me saoules. Vas-y, t'es bien. Tout ça pour ça. Ah, il y a des trucs là-bas. Je t'ai vu. J'ai pas compris pourquoi mon bouclier s'est relâché. Putain, en plus, regardez, je suis sur le bouton. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me suis retourné pour parer ses coups et il m'a collé une tatane. Bon. Écoutez, hein. C'est lui le boss. Ah! Alors, attendez, on va juste. Maintenant qu'on est là, on va aller. Lui, je suis sûr. Non, ouais. Well, I'll be. That's a brilliant ember you've got there. For all my years in the trade, that might be the finest. And I'm just an old
D'accord, je prends ton bras gauche. Non ? Ah bah voilà. Ah oui. D'accord. Il me faut 800 âmes mais je suis décédé. Je lève trop le bouclier. Bah non. On peut pas trop lever le bouclier, enfin. Bon, quand j'aurai 800 âmes, j'y penserai. Où est-ce que je voulais aller aussi? Parce que du coup, là, il y a mon truc de cristal, là. C'est où, ça? Eh ben, il faut que tu trouves une braise. En fait, une braise spéciale et que tu la donnes à André. Je sais plus où j'ai trouvé, par contre. Mais... Quoi? Qu'est-ce que tu veux toi, t'es crado? Oh là! Prenez un manteau ça? Donc ça c'est parce que j'ai cassé la gueule de... D'accord. Oh bah! C'est la fête? C'est la fête? C'est pas là que je voulais aller par contre, mais c'est la fête. Donc là c'est baisé là. Voilà. C'est parce qu'il fallait aller à la gardienne du feu, blablabla. Ok. Ah il y en a un où il y en a un autre où un feu du coup. Bon, je m'en fous, moi j'ai des âmes de gardienne. Ça me va, ça me convient. Ça me convient, faut que je puisse me casser maintenant. Faut que je retrouve le géant. Oh là là, je suis perdu. Ouais, elles sont souvent... En fait, les braises, elles sont bien cachées, mais pas spécialement dans des cachettes secrètes ou autres. Enfin, il y en a si. Mais parfois, elles sont cachées mais au milieu de nulle part, tu sais, en mode « Bonjour, on était là. Coucou. » En plein milieu d'un champ, j'en sais rien, enfin bref. Tout à l'heure quand je m'étais téléporté, elle avait peut-être juste pas compris que j'avais tué peut-être ça le... Oh ouais non attendez, j'ai tué. Ou alors ils vont me tuer eux. Au choix. Ah, il va peut-être plus m'aimer, lui. Ah bah voilà. La braise de cristal. Alors, par contre, est-ce que j'ai vraiment envie d'une épée de cristal à deux mains? Non.
Ah bah je l'avais dit de toute façon en plus. Merde, oui, j'avais dit aussi que ça s'en vient. Je l'avais dit que ça te spoilait trop ce truc. Avec les âmes des boss. Si tu connais le nom des boss. Voilà. Est-ce qu'elle veut me casser la gueule maintenant? J'ai peut-être pas juste pas activé le trigger. Non, elle s'en bat les couilles. Non? Ah? Oui? Non. D'accord. Donc elle s'en bat les couilles. Très bien. Ah, bah, bande de pervers. Hop, fiole des souches plus 4. Ça ne s'arrête pas. Ah mais attendez du coup. Ah, tant qu'à se faire chier. Tant qu'à se faire chier, autant le faire jusqu'au bout. Bah, elle m'a rien fait, elle, donc... pas tirer dessus. Hein. Moi je vais faire une épée à deux mains plus 15 parce que je suis un ouf. Non, en fait, je vais pas le faire tout de suite. On ne sait jamais. Eh ben. En fait, je suis en train de me dire. Non, ça. Bon, bref, ok, ça marche. Si jamais un jour, comme ça, je veux améliorer et reprendre mon épée à deux mains, je pourrais. Sanctuaire, c'est parti, allez. Et on va y retourner. On va y retourner, ma bonne dame. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça. J'espère que ce que j'avais vu là comme porte de brume, c'était la porte du boss en vrai, parce que sinon c'est la merde, c'est la grosse merde cette zone.
Déjà, il y a trop de fantômes. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que mon arme, elle est assez limitée quand même. Ça aurait été bien de pouvoir l'augmenter à plus 10 pour qu'elle puisse faire des vrais dégâts. Alors attendez. Je me suis fait déboîter. Oh là là, ouf. Ah oui, par contre c'est bien. Ah, c'est bien, fiole d'astuce plus 4. Je valide. Non. Dommage. Donc les gros tas de merde, ils... D'accord, ils sont plus là. C'était à gauche ou à droite? Non mais je crois qu'il n'y a pas à dire, hein. Mon sens de l'orientation est définitivement mort et enterré depuis ma naissance. Merde. Bah ça pif pas, il y avait un chemin derrière. Pour le coup, il y avait un chemin derrière. Là il y avait des... Il y en avait deux je crois ou trois. Hein. Oh merde. Bravo, GG. Bah dis donc, ils m'enfilent plein des éclats de titanite, je les aime bien.
Ah merde, c'est fini, bon. Oh là là, attendez. Il m'a dit à un moment, hein, faut que je puisse traverser les abysses. Ça sent l'escalier sans fond. Sans fin, sans fond. On va voir. En tout cas, je tiens à dire que cette zone, elle fait très très peur. Voilà. Bon, je fais quoi? Je saute? Oulala, qu'est-ce qu'il y a? Oula! Là, un truc! D'accord, ils sont quatre, mais il est tout seul, ça? Mon Dieu. Ah, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Ok. Je n'aime pas du tout ça. Ah ouais, mais en fait si on se dépêche pas ils peuvent arriver tous, c'est ça? Si c'est ça, c'est chaud hein. Je sais pas ce que c'est mais je veux pas savoir. Ok, bon. non, non. Bah non, mais à un moment, le jeu est tellement con que tu dis, bah je vais me jeter dans le vide, quoi, enfin... Alors maintenant, alors attendez, parce que du coup, maintenant, on va tester un truc. C'est super important.
Ah ouais, mais non, ça va peut-être faire une boucle infinie là, non? Si jamais j'enlève. Ah, ça fait rien. Déception. Toujours pas trouvé le DLC, non. Tiens d'ailleurs. Alors attendez, hein. Hop, j'arrive. Non, je voulais pas. C'est bien ce qu'il me semble. Alors attendez, deux secondes, hein, je bricole mes trucs, voilà. Alors. Ouais, du coup, si jamais j'étais trop longtemps en bas-train, est-ce qu'il y a son pote qui arrive au bout d'un moment ou ils arrivaient vraiment l'un à la suite de l'autre? Ah, j'irai pas jusqu'au New Game Plus 6, je pense. Hein. Alors attendez, bah maintenant il faut que j'aille mettre tout ça dans le. Ah, attendez, parce que je crois que je suis sur la fin du jeu là. J'ai pas fait le DLC. Alors attendez. Je sais pas c'est quoi la Renaissance L1 donc. Ouais. Ouais. D'accord. Il faut que je me TP. Mais c'est quoi le TP? Je me souviens plus. Bah on va tous les faire un par un. Ouais. Alors non, on va pas tous les faire par un. Donc ça non, ça non. Le tombeau de la lune noire, bah c'est baisé. Frappe-le, non, j'ai pas envie. Les abysses, non. Fille du chaos, non. Mytho, non. Ah, mais y'a rien en fait. Ah bon? Pas de kappa égale. Égale c'est vrai. Ok. J'en parlerai à mon cheval. On verra s'il est d'accord.
faire du bruit. Saute dans le trou, bien sûr. Ah, remarque, on n'a jamais essayé ça. Mais c'est complètement con. C'est complètement con, monsieur. La lumière au bout du tunnel. Alors, la question... Est-ce que si jamais je veux faire le DLC, c'est peut-être maintenant ou jamais, là, non? Ah. Alors, du coup, j'ai une deuxième question. Parce que si ça fait comme Bloodborne, en fait, tu finis le jeu et là, paf, ça reprend New Game Plus 1 direct. J'ai une deuxième question. Alors, le DLC, si j'ai bien compris, c'est par rapport à l'histoire d'Artorias. Vu qu'il y avait son clébard dans la forêt, là... Je me suis dit, c'est peut-être quelque part dans la forêt, mais j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je sais pas. Non, mais je crois que je trouverai pas le DLC. Hein. Le dragon pierre, c'est dans le lac. Là où il y a le, bah notamment le, l'hydre. Enfin, le lac bah en face du dragon de pierre en fait. Truc qui te permet de faire le serment du dragon notamment. Pourquoi j'ai 20 fioles d'estus? Néo, tu me saoules. Je les lis les items, d'accord? J'ai peut-être oublié, mais je les lis. L'absolution, c'est quand t'as tapé des PNJ ou tué des PNJ. Mais genre, par exemple, si je tape André là, bah je peux aller absoudre mes péchés. Et comme ça, il m'en veut plus. Il m'a filé moi. Ah ça, il m'a filé ça. Mais je sais pas ce que c'est. Oui, mais bah oui, voilà.
Et après, Neo lui-même m'a dit non, c'est pas ça. Donc, il a vraiment juste envie de me contrarier. Je sais pas. Je le savais pas comme ça, Neo. À croire qu'en fait, regarder quelqu'un jouer à Dark Souls, ça rend con, je sais pas. Bref. Bon, toujours est-il que je voulais aller du côté de la forêt. Bah oui, j'ai dit ça me permettrait d'embraser encore plus, et t'as dit non, c'est pas ça. Si, si. Non, t'étais pas là, mais c'est quand j'ai parlé du rituel d'embrasement que je t'ai dit ça. C'était au dernier stream en tout cas. Bon, ouais, alors par contre, après, moi, noir souche, c'est bien, mais. Ah, le lac de la forêt, donc là où il y avait l'hydre, justement. Bah, là où je vais, en fait. Mais je sais pas. C'est peut-être pas ce qu'il faut, hein. Parce que par contre, en vrai, j'ai regardé mes items là tout à l'heure. Enfin, j'ai rien, quoi. Hein. Non, peut-être dans les objets clés. Non, j'ai rien, quoi. J'ai que des clés. Je vais voir au lac. C'est pas grave, hein, je vais aller voir au lac. Par contre, j'ai comme l'impression que j'ai encore fait de la merde. C'est pas, c'est pas grave. Je vais tous vous buter pour me venger. Bande de salauds. Alors, le problème c'est que je sais pas où j'ai pied et où j'ai pas pied. Une cascade, forcément quelque chose derrière la cascade. Justement, j'aurais aimé éviter de tomber en fait. Donc là, on arrive de l'autre côté. Là, je t'avoue, je vois pas grand chose, hein. Je pense que si. Je pense qu'on. Ah oui, effectivement. Là, j'ai papier. Il n'y a rien dans votre lac pourri, par contre. Par contre, là, du coup, il y a le reflet de... Pas grand-chose. Il y a un cadavre. Totalement un cadavre.
Alors, la cascade. Ah, j'aurais peut-être. Il y a peut-être vraiment un truc derrière la cascade. Ou c'est peut-être encore plus loin. Ah oui, attendez. Par là, vous voulez dire? Aussi. Me casser la gueule. Ah, il y a un souffle démoniaque là. Oulala, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, c'est un golem de merde. Ah, ça, j'aurais peut-être pu explorer plus. T'es nul toi. Oulala. Oula. Bonjour. So, it is thou who rescueth me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysio. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysio. Is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee with thine approval. Mm-hmm. Would this be of assistance to thee? Oui. My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. It seems that my time is done. May the great flames guide thee. Juste pour savoir, il serait apparu quand ce PNJ? Genre le premier moment où tu peux l'atteindre, le PNJ. Dès que t'as buté, d'accord, ouais. Bon. Ouais, j'aurais pu explorer. J'aurais pu explorer, mais j'avais vraiment peur parce que je voyais pas, en fait, j'avais pas fait gaffe qu'on voyait où le sol s'arrêtait. Ouais, là par contre, ouais, c'est clair. C'est clair, je me suis barré très vite. La fouchasse des gens. Bah du coup je sais pas aider grand chose vu que t'avais compris en fait. Mais alors elle a dit à l'entrée de la forêt. Mais alors c'est quoi l'entrée de la forêt? En tout cas GG hein. GG. Et est-ce que toi t'as réussi à avoir son arme ou pas? Ah, c'est pas l'entrée de la forêt. Elle m'a dit à l'entrée de la forêt. Ah, faut être humain. Oui, alors par contre, oui. C'est vrai, pour invoquer, faut être humain. Ça, c'est... Salut au Crex. Il faut save and quit ? Sans déconner, si je fais non,
mais je sais pas. Parce qu'il y en a la moitié qui troll, il y en a la moitié qui dit des trucs vrais. En plus, je vais pas me... Je vais pas m'en sortir. Je vais prendre la phase où faut être humain. Parce que moi, dans ma tête, pour invoquer, faut être humain. Ah bah attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire plaisir à Neo. Puis vous savez ce qu'on va faire? On va faire deux fois plaisir à Neo. Merde, non. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Méga feu, même mes vêtements prennent feu là. Bon là, voilà, j'ai les viens fioles. Ça servira à rien, mais c'est pas grave. Je l'ai fait. Donc. Je peux faire griller des saucisses? Attends, je faisais déjà cramer mes vêtements là. Ça me semble déjà pas mal. Bon, n'empêche que la madame, elle m'a dit à l'entrée de la forêt. Hein, elle a pas dit à côté du lac ou quoi que ce soit. Alors moi qui considère que l'entrée de la forêt, ça soit à côté du lac, c'est fourbe. Je dirais même très fourbe. L'entrée de la forêt sur point de vue fouet, d'accord. C'est le nord, le sud, l'ouest, tout ça, c'est des conneries. Hein. Ça change tout le temps en fonction d'où on regarde, c'est ça? Oui, non, mais j'y vais justement. Pixel, t'inquiète pas, je crois. Hein, j'y vais. Hein. J'y vais là, regarde, j'y cours même. C'est pas faux ça, Mistas. C'est pas faux, même si techniquement, là dans ce jeu-là, la forêt a une entrée. Enfin, peut-être deux, mais... Ah, mais faut que je les retue. Bah ouais, s'il la tue après, c'est genre l'air con. Ah, je one shot à deux mains. Ah bah attendez. Si je one shot à deux mains. Alors, un caillou. Caillou ça. C'est pas le bon caillou. Il y a des trucs dans la flotte en plus, non? Ah, c'est le bon caillou. Ah bon, on est mal. Et revient. Ouais, c'est bon. C'est exactement ce que j'ai fait en plus. Hein. J'ai fait ce qu'ils me disent de faire.
J'ai fait ce qui... Non mais attendez, parce que là, par contre, on... Voilà, on touche au ridicule, là. D'accord, c'est un bug. C'est un bug qu'ils ont toujours pas corrigé en 10 ans. Je m'énerve pas, hein. Je m'énerve pas. Dusk of Elysium. It is an honor to see thee again. I shall follow thy wishes. Ils ont corrigé les bugs, mais putain, mais les bugs dont on s'en fout en fait, finalement. Ces speedrunners, ils speedrunnent le jeu, ils font le truc dans leur coin quoi. Mais pouvoir jouer à ton jeu, c'est important quand même. Putain, invisibilité carrément, caméléon. Ah ouais, la vache. Dommage que je sois pas un magicien, hein. Ça a l'air bien, ça, je prends. Je le sais, je prends. Ah, j'avoue, hein. Ce sort-là... Ce sort-là, il aurait pu être pas mal, hein. Mais j'avais pas assez, je crois. Ok, parfait. For a very long time, I was trapped within the crystal golem. From my home, I was taken, banished to a plane of distortion. It was there that thou came to my rescue, long after I had relinquished all hope. So gleeful was I. My faith reneweth. Et donc, je suis totalement pas plus avancé, en fait, c'est ça? Explain. Ulysses' sorceries are, what doth one say? They're somewhat of an approximation. Thine sorceries are more straightforward, negating all but thyself. D'accord. Et tu sais ça en me regardant parce que je suis un mage très puissant, c'est ça? If thou art in need, pray summon me again. Mais en fait, je m'en fous du coup. Je l'ai invoqué, mais j'en ai rien à carrer. Ah, j'ai perdu 7 PV. Hein. Je sais pas d'où, mais je les ai perdus. J'en avais rien à carrer de l'invoquer en fait. J'allais lire des livres. J'allais dans les archives. Non mais je vais pas la taper. Elle m'a rien fait. Vous êtes vraiment démoniaque, hein. Pour la peine, je vais passer par là. Oh, il revient pas, Avel, hein. Au DLC, d'accord. Quel tour? Où ça, je l'ai vu la première fois? Parler de quoi? T'es sérieux? Ah non, j'avais lu, tu es retourné dans la tour où tu l'as vu la première fois, je comprenais pas. Ah non, oui. Effectivement. Faut que je retourne là-bas? Mais non, mais s'il fallait... Si ça débloquait la...
Enfin, moi, j'ai buté tout le monde dans les archives. Hein. Mais j'ai... s'il faut un objet, je l'ai pas, l'objet. Hein. J'ai pas d'objet qui me dit... Bah, je sais pas quoi, d'ailleurs. Ça, c'était pour retourner au début. Ça, c'était pour ouvrir, pour aller voir Sif. Et ça, c'est que des clés à la con. Non, non, je vais retrouver à... Je vais retourner à un feu. Là, je retourne là parce que ça me fait rigoler de retourner là, mais... Je vais retourner à un feu. Hein. Oh. Oh, oh. Ah, c'est-à-dire quand même quand je tape dans leur bouclier, de toute façon, ça les tue, c'est ça. Ok, feu qui sera par contre... oui, d'accord. Bah non, en fait, je fais de la merde. En fait, je fais de la merde. J'étais allé là? Ouais. Bon, vous êtes déjà en PLS. Avouez-le, vous êtes déjà en PLS. Donc là, c'est juste parce que ça me fait rigoler. Hein, mais en vrai, je sais que c'est pas la fois que j'aille. Hein. Calmez-vous. J'ai toujours pas trouvé la clé là. Hein. Après, c'est peut-être aussi parce que je l'ai pas cherché. Eh, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai toujours pas fait. Qui me turlupine depuis un moment. Oh. Ah. Ouais, mais totalement. Est-ce que si je fais ça... Est-ce que je peux lui casser sa bouche? Alors attendez, on va essayer un truc. Alors attendez. Alors, contre le feu. Non, merde. Attends, non, mais non. Non, c'est pas cette touche là, putain. Feu. Alors. Les vrais contre le dragon et backstab, bien sûr. Bien sûr. Alors, moi je vous propose qu'on fasse comme les fous, du coup. Mais je suis con. Alors attendez, il s'est barré. bon, attendez. Ah, c'était juste pour débloquer un putain de raccourci. Ah bah voilà. J'y pense à quoi? Toi, je t'aime pas.
Ah mais il me prie les gens en fait. À venir de quoi ? J'y pense à venir de quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte encore ? Ah ouais putain le raccourci. Mais attendez, mais comment vous voulez qu'on prenne ce raccourci ? Au début du jeu, le dragon, il tape beaucoup trop fort. Non mais même en courant. Je l'avais fait, hein, j'avais couru, hein, le dragon, il te fait une flamme, t'es mort, et puis t'as pas le temps de courir jusqu'à l'autre bout. Tu cours mieux. Ok. Bon. J'essaie de comprendre hein, pourquoi il fait l'amour au mur, lui, là, mais je sais pas. Pourquoi il y a une statue, là ? Par contre, le dragon, il s'est vraiment barré. Non, mais il peut revenir. Il va revenir. Je peux quitter et revenir. Salut, Excam. Il y a un bug. Il me saoule votre jeu là, s'il faut quitter et revenir. Il est censé y avoir quoi ? Bah non, la statue cassée, elle parle pas, non. C'est peut-être parce que je suis un humain. Ah ! Ouais, mais alors moi, je pensais qu'après, on pouvait le combattre, en fait. Parce que moi, je suis pas d'ex, enfin, j'ai pas de truc à distance. Donc, je vais pas le tuer, le dragon. Je vais mettre 15 ans. Bah écoutez, hein, c'est pas grave. Alors, on m'avait dit les archives. La gardienne est absente. Je me demande bien ce qui lui est arrivé. Peut-être parce que je suis humain, non ? Merde.
Non, j'ai pas buté gros boobs, elle m'a rien fait. J'ai buté sa sœur. Son frère. C'est son père et ses sœurs. Voilà, bref, j'ai buté la divinité d'Anor Londo. Voilà, on va le dire comme ça. Oui, j'avais lu la première fois Pixel, mais c'est ce que j'expliquais. Je pensais qu'on pouvait le combattre, mais dans un vrai combat, quoi. Parce que là, bah, je m'en fous, moi. Je peux pas taper dessus, j'ai pas de build à distance. Ouais, je retournerai Pixel. On verra tout à l'heure. Ah merde, oui, je les avais oubliés par contre. Ah oui, non mais attendez. J'avais oublié que cette zone elle était pourrie. Ah bah voilà. De la merde, il a fait de la merde. On est d'accord que je redeviens pas humain, par contre, ouais. Ce serait un peu abusé. Ah. Mais sérieux? En plus j'avais déjà buté lui. Je suis jamais retourné à la salle du boss. Non. Mais pourquoi j'y retournerais? J'ai battu le boss, je m'en fous. Je veux même plus où aller, je sais pas aussi ça. Alors, on va laisser l'autre taper sur les murs, hein, s'énerver tout seul là. D'accord. Donc maintenant, il faut que je retourne au lac, ça marche.
Bah avant on va aller voir là ce que disait Pixel. Alors par contre ouais c'est où? Ah ouais putain par contre faut... m'a dit si tu continues tu pourras pas aller au DLC. Alors je me suis dit bon on va essayer d'aller au DLC. Voilà. Non merde c'est pas là. On va essayer hein, on va bien voir. Donc j'essaie d'aller voir le dragon rouge hein, pour ceux qui se posent la question. Parce qu'on a quand même un vieux compte à régler lui et moi. Toi tu te tais. Du coup on va passer par là. Hein. C'est pas drôle Néo parce que c'est exactement ce que je comptais faire. Bah apparemment non, hein, je l'ai pas trouvé le TP sur le pont. Donc je vais courir. C'est pas grave, hein, c'est pas très loin. C'est juste là maintenant. Ah par contre j'aurais peut-être dû les tuer. Non, je pourrais pas faire ça. Comment je pouvais courir dans le début du jeu sachant que là j'ai juste pas la voilà, vous m'expliquez là comment je pouvais courir s'il vous plaît parce que au début du jeu et y arriver je vois pas là. Ou alors j'attends qu'il se pose, ouais il fait ça. De toute façon il va mourir. Voilà. Il y a quand même des idées sacrément débiles ce jeu. Hein. Merde, tu peux activer le trigger. Ah, il faut quitter, c'est ça?
Alors attendez. On va pas quitter, on va peut-être juste aller là. Non. Là. Merde. Donc c'était par là le... Alors attendez, on va tester un truc. La question maintenant. Comment je fais? Pour qu'ils viennent. Pour qu'ils viennent me dire bonjour. Ah, attendez. On va faire un truc. Il y a un élément du décor qui me fait... Ok, j'avais pas trop prêté attention. Je vais juste essayer de pas mourir. Hein. Vous inquiétez pas. Il y avait un endroit... Peut-être je peux faire quelque chose. Alors attention. Si c'est pas ça, ça va aller très vite. Hein. Merde, je teste des trucs, hein, faut pas m'en vouloir. Donc je vais déjà niquer sa queue hein, pour ceux qui se posaient la question. Elle a pas l'air de vouloir, hein. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait, mais il a pas l'air très enclin à la discussion quand même.
voilà. Bonjour. Ah bah je. Ouais d'accord. Je vois rien. C'est histoire d'un mec qui voit rien quoi. Il y a un moment où il y a une possibilité de faire quoi que ce soit ou... Non, c'est mort et enterré quoi. Ouais. C'est un combat de merde. Je me suis fait victimiser. Je vais pas du tout comprendre. Bon bref. Ça c'est fait. Alors, je vais remettre mon bouclier que j'aime bien. Je vais remettre mon anneau. Non, les flèches on s'en fout. Les carreaux on s'en fout. Je vais mettre ça. Bien. Hop. Donc t'avais raison, Pixel. Je voulais juste vérifier, effectivement, j'avais mal regardé. Je peux retourner à l'hôtel solaire. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, du coup. Ouais, mais je revérifie, du coup. On sait jamais, hein. Combien ça? 2000. 8000. Il me faut 11000. Il me faut 11000. Est-ce qu'on a 11000? Easy. Frère, on va, je peux regarder en termes de tes bosses. Oh,
Et salut The Badong. Je vais essayer de trouver le DLC. Alors je crois que je suis pas mal là. Ah si, New Game Plus, je pense que je le ferai. Hein. Je le ferai juste pas en stream. Comme Bloodborne, hein, je fais NG plus 4. Hein. Bon. Faut que t'as compris comment fonctionne le jeu, ça va. Hein. Mais je pense que Bloodborne, le NG plus, il est pas comme Dark Souls. Enfin, j'en sais rien, mais... Je refuse pas de croire quoi que ce soit. J'ai juste pas envie de le faire. Et j'ai pas envie de faire le New Game Plus parce que j'ai pas envie que les gens me cassent les couilles à me dire quoi faire, comme là c'est le cas maintenant. La raison pour laquelle je ferai pas non plus les autres Dark Souls et je ferai pas non plus Hollow Knight ou d'autres trucs comme ça où faut chercher un peu son chemin. C'est tout, hein. Mais je vous crois, hein, quand vous me dites des trucs. Pas de problème. Bah après Bloodborne en fait, pourtant j'ai essayé mais ce que j'ai vu du New Game Plus c'était genre juste les boss avec plus de PV quoi, et taper beaucoup plus fort. Je crois que Dark Souls il y a d'autres mécaniques qui entrent en jeu mais je sais pas. Peut-être des bits. Ah oui, ah bah là oui, effectivement, on voit qu'il y a un truc qui va pas là. Ah mais je les ferai les autres Dark Souls. Je les ferai. Pas en stream, c'est tout. Ah, bon. Donc là, c'est le trou noir, c'est le vortex, c'est le DLC. Bah, et notamment, par exemple, voilà, parce qu'il y a les gens comme Néo qui vont pas arrêter de me dire pendant tout le stream qui vont popper comme ça. Oh là là! Qui vont popper en random en mode oui, mais le 2 c'est pas un Dark Souls. C'était une jolie main. Alors on va allumer le feu. Hein, pour commencer. On va faire ça. Alors. Je peux me téléporter en dehors du DLC ? Ouais. Ouais, honnêtement, parce que, en fait, à la limite, tu butes l'hydre. À la limite, tu butes l'hydre, et tu vas voir ce qu'il y a tout au fond, en explorant. Bon, je pense que ça, c'est le genre de truc, c'est faisable. Admettons, tu butes l'hydre, et t'avais pas encore fait les archives, du coup, tu tapes le golem. Bon, je pense, ça aussi, c'est dans l'ordre de l'imaginable. Après revenir là, je sais pas. Hein. Peut-être. Il y a son nom, remarque. Hein. Il y a le nom de la madame. Hein. Mais ça fait quand même beaucoup de conditions. Par exemple, moi ayant tué l'hydre et après ayant dit le bassin de Warsouche, j'ai tué les deux boss et tout, je reviens pas. Ouais, j'aurais pas. Enfin, je sais pas.
C'est compliqué, hein. T'achètes ton DLC, je sais pas combien, 10, 15 balles, je sais pas, et puis l'entrée elle est planquée comme ça, bon, je sais pas. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. À direct. Je me disais, merde, il fait plein de dégâts. J'étais à deux mains. Il est con. Il est con, ce moi. J'étais à deux mains. Donc forcément, quand tu pars à deux mains, tu prends le... Je pense qu'il est temps que j'aille me coucher, quand même. Hein. Je pense qu'il est temps que j'aille me coucher. Oh, ça sent le monde de choc, ça. Ah, par contre, quand il... D'accord. Ah mais il y a une queue ? Ah mais attendez ! Aïe ! Ah mais attendez ! Ah non ! Ah mais c'est chiant de couper la queue des boss. En plus ça se trouve celle-là ça marche pas. Ah, vous voulez que je la coupe? Ah, mais alors pour couper la queue. Alors attendez. Alors, vaut mieux avec ça, non? Avec cette attaque là, là. Ouais, quoi. Non. Avec cette attaque là. L'objet est OP. Rien que pour ça, je vais essayer. Mais ça se trouve, il n'y a rien. Ça se trouve, ça marche pas. On sait rien. On va mourir parce qu'on essaie de couper une queue encore. Hein. Toujours. Hein. À chaque fois, de toute façon. À chaque fois que je mourrais contre les boss gratos, c'était parce que j'essayais de couper la queue. Ouais, mais il est malin. Il protège sa queue, le petit salaud. Ah mais merde, oui. On va pas chercher à couper sa queue. On va juste essayer de le tuer. Les boss pas de répit pour souffrir. Ouais. Bah en fait, vu que j'ai pas de... Vu que je suis un gros bourrin. Et que j'ai pas de stuff genre contre la magie ou genre de conneries, tu sais. Je me mange toutes les faces, quoi. Bah non, mais j'avais l'impression, mais en fait, non, merde, tais-toi.
Enfin, j'ai l'impression que le coup vertical de cette arme-là, il coupe mieux. Il est plus facile à placer en fait pour couper des membres. Merde, je suis mort là. Ah, c'était le moment là. Merde, mon gars. Bah ouais, avec l'anneau de machin, ça fait quand même vachement de vie cette connerie. Hein. J'essaie encore hein, en fait. Hein. J'essaie encore de couper les conneries. Ah bah voilà, on est bien. J'avais presque first try, puis après j'ai eu cette idée à la con, effectivement. C'est vrai, hein, c'est terrible. L'objet est naze. Mais c'est pas grave, je l'ai. Il est naze, mais je l'ai. Donc c'est pas là d'où je viens ça, si. C'est là d'où je viens. Hop là. Voilà. C'était juste le petit bonus, le cadeau bonus. Où je fais un boss en plus. Ça me donne combien ça ? Bah la queue de 6, j'ai même pas essayé en fait. Parce que c'était le moment où j'en avais ras-le-bol de crever comme une merde sur des boss juste parce que j'essayais de couper leur queue et puis que ça marchait pas en plus. Donc voilà. Enfin que ça marchait pas, que j'arrivais pas quoi. Bah genre là, hein, je suis mort 3 fois comme un con parce que je me suis dit mais il y a une queue ? J'ai mes petits 40-40 là. Je pourrais peut-être foutre. On s'en fout. Bref. Allez, quittez. Attendez, non, je vais quand même vous mettre une. Voilà, donc merci d'être passé et à demain. Alors demain, en vrai, hein, je déconnais tout à l'heure,
je veux continuer un Dark Souls. On fera le DLC, je sais pas combien de temps ça nous tiendra, mais on se fera le DLC tranquillement. Et puis voilà. Donc si j'ai bien compris, le DLC c'est l'histoire en fait d'Artorias, hein, si je suis pas trop hors sujet. Ouais. Bref. Ciao. Puis je vous mets 5 minutes de pub, hein, comme d'hab.